Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec mon petit-fils Mathis aujourd'hui qui est venu passer le week-end à la maison et il a décidé de faire de la fimo aujourd'hui et il va vous montrer ce qu'il va faire. Je vais refaire la grenouille il y a quelques années qu'elle a fait mamie. Ah, il y a Fifi qui vient vous dire bonjour. Comme d'habitude, elle a entendu le mot vidéo, donc elle vient dire bonjour mais elle va venir par terre après parce que sinon elle va nous embêter. Voilà. Alors, on va changer un petit peu l'axe de la caméra pour que vous voyez ce que Mathis fait pour la fimo. Alors, par contre, on n'avait plus de verre, donc ça va être une grenouille bleue. Voilà. Donc, il y aura du bleu, du rose. Et Fifi, elle nous casse tout. Il y aura du noir et il y aura du jaune. Voilà. Puis bon, s'il a besoin d'autres couleurs, il y a ce qu'il faut à côté. Voilà. Et ça, c'est la grenouille que moi, j'avais fait il y a un petit moment, déjà. Bon, Fifi, elle va se pousser. Allez, bouge. Allez, on va bouger Fifi et je vous change l'axe de la caméra. À tout de suite. Allez, on démarre. Tiens, rien, tout y tombe. Faut pas s'inquiéter. Vas-y. Alors, je te laisse faire et puis tu me demandes si tu as des problèmes. Je commence par le bleu. Tu commences par le bleu. On va commencer par la grenouille. Non. Tu commences par le bas. Tu vas faire exactement la même couleur que la grenouille. Ouais. Ouais. Tu peux m'aider. T'as les mains propres? Oui. De la fimo, il faut avoir les mains propres. Oh. Oui, ça c'est comme la pâte à modeler. Hein. Ça tu sais. Allez, montre que t'es fort. T'es un garçon quand même, t'as des muscles. Vas-y. Alors, tu vas avoir les mains toutes bleues. Oh, c'est dur. Alors, par contre, la cuisson, on la fera chez papa. Hein? Tu la feras chez papa, la cuisson. Parce que chez mamie, le four, il brûle. Tu sais. Si on ne veut pas avoir comme Elina, hein, les sapins brûlés. Donc, vous ne verrez pas la cuisson, mais vous verrez la grenouille terminée quand même. 2 ans plus tard. Ah ah ah. Dans 2 ans plus tard, vous la verrez. Allez, on a déjà. Tu fais une boule, je vais écraser l'autre. Par contre, il va falloir beaucoup de bleu. Oui, mais c'est pour ça que je me demandais si tu ne faisais pas une autre couleur pour le socle. Parce que sinon, tu n'auras pas assez de bleu pour la grenouille. Ouais. Attends, j'ai encore un autre bleu. Ah, mais si, c'est le même. Donc, ça va. Nickel. Allez. On masque, on masque, on masque. Moi, toi, je crois que c'est bon, tu peux commencer. Alors, il va rouler avec ça, parce que je ne retrouve plus mes rouleaux. J'avais 2 rouleaux, et je ne retrouve plus mes rouleaux. Donc, roule pas toujours dans le même sens. Voilà, hop, tu retournes, parce qu'après, ça va coller. Tu tournes, tu enlèves, tu remets dans l'autre sens. Voilà. Ça fait beaucoup de bruit. Ouais. Donc ça vous prouve que si vous n'avez pas de rouleau, ben vous pouvez. Ok. Voilà. Ah, ça a collé. Alors attends, on va recommencer. Nickel, hein.
Je montre. Hop. Tu vois, c'est pas longtemps dessus. Voilà. Je vais penser, est-ce que mon rouleau ne serait pas là-bas? De toute façon, de ne pas le faire tomber, parce que c'est du verre. Non, il n'est pas là. Bon, ben, je ne sais pas où est mon rouleau. C'est bon, là? Oui. Tu regardes avec la... la non, parce qu'on regarde... Il faut le faire comme ça. Moi, je vais détendre le deuxième pain de Fimo. Encore un peu. Ni vu ni connu. Attention que ça colle pas en dessous sur le carrelage. Voilà. J'ai les mains de schtroumpf. Non. Toi aussi? Non. Non. Ah voilà, il a cassé. Ah, bien. Alors, on va te servir d'autre chose. Je sais. Quoi? Bah non, ça non. Par contre, ça, je vais le mettre à la poubelle. Alors, attends. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ah bon, bah maintenant, on est dans le caca. attends, il faut que je trouve. C'est quoi? Hein? Oui. Pourquoi pas? C'est quand même bizarre, il faut que je sais pas où est mon rouleau. C'est bon? C'est bon? Ouais, ouais, ça peut aller, ouais, ça va. De toute façon, il y avait que pour le bas que tu avais besoin de rouler. Bon, ça va, pas de blessés, heureusement. Je regarde si j'ai un autre truc pour rouler. Tu vois, c'est ta risque. À tous les coups, je vais retrouver mes rouleaux quand on aura terminé. Hein. Mais bon. Non, ça va s'enlever quand tu t'appuies fort. Voilà. Et maintenant, tu peux... Voilà. Tu vois? Non. Voilà, tu es deux boules. Donc, il faudra en faire une plus petite, hein. Tu vois, pour ton, ta grenouille. C'est bon, quoi. Ouais, alors, attends. Il doit être... Ah, il est collé au carrelage. Là, je vais faire ça avec la lame. On a déjà fait. De toute façon, tes doigts. Hop, voilà. Bon. Voilà. On va faire un petit trait là. Hmm? Comme là, on va faire un petit trait. Oui.
coucou. Non, c'est rien. Tu n'es pas obligé de faire vraiment exactement. Hein. Tu peux faire à ta manière aussi. Hein. Voilà. N'oublie pas, il y a ses pattes à faire. Hein. Ah ouais. Alors, regarde, il va te falloir deux petites boules, tu vois, deux petites boules, une moyenne, une plus grosse, et quatre pattes. Donc, les quatre pattes, tu fais comme si tu avais besoin de quatre petites boules que tu vas aplatir. Mmh. Oui. Voilà. Bon, après, il n'y a plus de bleu, hein. Donc, tu gaspilles pas le bleu. Et normalement, là, c'est du rouge. Oui, bah, on avait pris le rose. Tu peux mettre du rose. Parce que ouais. Du rouge, j'en ai plus non plus, je crois. Non. Ou alors, j'ai du rose plus clair pour sa langue. Ouais. Là, hein, on mettra du rose plus clair pour sa langue. Non, on ne va pas faire une boule. Tu n'arrives pas à faire une boule. Là, j'ai un... Ah oui, non, c'est bon. En fait. Ah. Voilà. Fais-lui les deux mêmes grosseurs. Hein. Qui n'est pas un œil plus gros que l'autre. Là, il a un œil plus gros. Après, lui aussi, il est plus gros. Ah ah ah. Allez, maintenant on va aller faire les quatre pattes. C'est quoi ça? Je te montre une patte, d'accord? Il y a trop de pattes. Il y a trop de pattes pour la pâte. On a intérêt à bien se laver les mains pour les manger après. Hein. Oui, oui. Ah ouais, c'est vrai, on mange des hot dogs. Ouais, on mange des hot dogs. Que j'adore. Voilà, une pâte. Cool. Je peux m'en faire d'autres. C'est toi qui fais. Non, moi, je ne sais pas le faire. Je sais pas faire les pattes. Bon, tu fais que les boules, toi. Je fais que la tête. Là, c'est bon. Oui, ça va. Bon, maintenant, le corps. Bon, le corps, c'est facile. D'accord. On dirait Olaf. Olaf, oui. Mais t'as mis une barre? Non. Ah bah voilà en fait. Voilà, il a deux pattes. Regarde qu'on a mis ça noir. Ben regarde avec le mien. La pâte, la tête est plus petite. Regarde, son corps est plus gros et la tête un peu plus petite. Mais bon. Voilà. Ça va. Je serre ma bouche. Et il est muet. Il nous fait une grenouille muette. Trop grosse.
Oh. Bon, c'est sa première fimo, hein? Non, pas trop. Pas trop? Non? T'en as déjà fait? Ouais. J'avais fait un Homer. T'avais fait un Homer? Ouais, merci, mon salut. Ah, bon, j'ai rien dit alors. Mais après, il était mal fait. Donc... Ah, bah là, ça va. Ah, bah c'est bien. Je l'ai fait avec mes mains. Bon, maintenant, je vais mettre les potes. Donc, il faut que tu. Non, il aurait fallu que tu mettes la boule. D'abord, les pattes sous sous la boule. Tu vois? Hop. Là, c'est ta dernière. Oui, je fais la dernière patte parce qu'il a quatre pattes. Et j'attends la dernière parce que. Eh oui. Dis que je suis longue. Non. Voilà, tu as la dernière patte. Merci. Voilà. Ça bon, recolle. Ça recolle. Attends, je vais le redécoller avec la lame. Maintenant, il faut faire les petits bouts. Il faut faire les petits bouts comme ça. Oui, faire la fleur. Il ne va pas se décoller. Voilà. Bon, ça ressemble pas. Ah, pas tellement, mais... Oui, si. Ça va. Là, il n'y a que du bleu. Maintenant, là, il va y avoir de la couleur. Oui. Ça va, une boule comme ça? Mmh, une fleur, tu vois, hein. Ça, la fleur, tu la fais comme tu veux. Hein. Alors, si vous n'avez jamais vu de grenouille bleue, mettons en commentaire voilà. Grenouille bleue. Voilà. Dites-nous ce que vous pensez de la grenouille bleue. Après, elle est pas si belle. Hein. Ouais. Mais qui sait, peut-être ça existe, hein, les grenouilles bleues. Bah, il y a des bananes vertes. Bah oui, il y a des bananes. Des citrons verts. Voilà. Alors pourquoi il n'y aurait pas des grenouilles bleues? Oh non. Je vais te couper un petit morceau de rose pour la langue en attendant. Oui, je peux déjà faire la langue. Avec mes mains bleues, je ne sais pas si ça va rester rose par contre. Je vais essayer de ne pas trop. Oh, merci. Oh, voilà, tu as coupé un gros morceau pour ta petite boule. Oui, j'avoue. Coupable. T'es coupable? Alors ça va. Oui. Ah bah tu vois.
Mais jolie ta fleur. Alors, attends, je vais prendre ça pour couper la langue. Laquelle? Non, 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 ça va. On est en train de la fabriquer pas la pire. Je te propose de ne pas couper la langue. Voilà. Ça coule. Oh. Dans l'autre sens. Voilà. Voilà. C'est bien. Il n'y a plus que ses yeux à mettre. Avec mes mains bleues. Oui. Donc le jaune va devenir vert peut-être. Alors on aurait dû faire ça dès le début. Hein. Oui, parce que si tu mélangeais du jaune avec du bleu, on aurait du vert. Mais pourquoi tu l'as pas fait? Eh oui, pourquoi on l'a pas fait? On est bête. Eh oui. Ben, pourquoi tout le monde sera mouillé? C'est bon. Il a un grand œil. Tu fais une petite boule, comme ça. Voilà. Et quand tu as ta petite boule, regarde, hop, tu l'aplatis. Voilà, c'est tout. Tu vois? Et tu appuies bien autour pour que ça adhère bien sur le bleu. Voilà. C'est déjà mieux. Il y a déjà des yeux. Tu n'as plus qu'à mettre le noir. Pour lui faire des petites pupilles. Donc là, il t'en faut pas beaucoup. Encore un petit. Un petit peu. Oui, je pense. Ah oui, là. Voilà. Ah ben elle commence à avoir du charme, sa petite grenouille bleue. Bah, attends, c'est parce que le noir est. Attends, je vais. Parce que le noir est peut-être dur. Tu parles plus? Bah, si. Bah, si. Hey, non, non, bouge pas la caméra. Non, non. Après, si elle tombe. Voilà. On va lui faire ses petites pupilles. Mais moi, elles sont vertes. Elles sont vertes. Et moi, elles sont bleues. Moi, j'ai les mains de Schtroumpf. Toi, tu as les mains de Shrek. Oh, c'est trop minuscule. Voilà. Ah, bah, tu vois. Non, là, je l'ai fait trop petit. Tiens,
Ça va. Et... Ah bon, non, on n'abîme pas ta grenouille. C'est un gâteau. Un mini gâteau. Voilà. Et voilà, ta grenouille est terminée. Alors attends, je vais débarrasser un petit peu pour montrer ta grenouille. Comme elle n'est pas cuite, donc il faudra qu'on la cuise. Tu la feras cuire demain chez papa. Voilà. Attention. Attention. Parce que si tu la fais tomber, plus de grenouille. Attends, je vais la prendre pour pas qu'elle s'abîme. Voilà. Donc voilà sa grenouille en fimo. Bon, pas très stylé. Hein. Bon, si, elle est stylée. Regardez. Il y a non, pas... Regarde, l'œil. Regardez, elle est bien. Non, mais l'œil. Tac, tac. Mais si, t'inquiète, elle louche pas. Donc, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la grenouille à Matisse. Moi, je la trouve chouette. Une petite grenouille bleue. Voilà. Donc là, il va la faire cuire demain à sa maison. Parce que je vous dis, chez moi, le four, il brûle. Hein, vous vous rappelez, quand j'ai fait des vidéos. Donc, je vois pas que sa grenouille brûle. Hein. Oui. Avoir une grenouille toute noire. Ça saute les pieds. Alors, attendez. On va essayer de relever sans faire de catastrophe. Attendez, je me lève pour relever le téléphone. On se retrouve tout de suite. Ouais. Non, mais n'appuie pas. Là, je vais essayer de faire comme ça. Je ne sais jamais dans quel sens c'est. Coucou. J'ai trop serré, comme d'hab. Voilà. C'est bon. Voilà. Donc voilà, c'était notre petite vidéo du jour. Spécial Fimo, spécial Matisse. Voilà. Ah, il avait oublié un orteil à sa grenouille. Donc dites-nous ce que vous pensez de sa grenouille. Mettez des pouces bleus. Super. Et abonnez-vous. Voilà, mais il a tout dit. J'ai plus rien à dire. Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, de nouvelles aventures. Et une prochaine fois avec Matisse, certainement, pour une autre vidéo. On ne sait pas avec quoi. La Fimo, une carte, du scrapbooking, du cartonnage, peut-être. On verra. Parce qu'il a envie de faire aussi du cartonnage, peut-être. Mais je dis, ça, c'est long, le cartonnage. Donc, il faudra que je prépare d'abord, hein, pour une petite boîte ou autre chose. Et on fera peut-être un prochain week-end un cartonnage ensemble. Bah, peut-être. Hein. Ouais, peut-être, hein. Une toute petite boîte, comme ça. Comme ça. Voilà. Comme ça. Bon. Allez, on vous laisse. On vous fait des bisous. Et on vous dit à bientôt. Bon week-end. Bon week-end. Ciao.